Au nord donc, la montagne Rakutei. Ah bah on peut pas la louper apparemment. Ah, je l'ai acheté, Olivier, l'animal. Tiens, tiens. Je suis en train de revenir en arrière, c'est ça? Il doit y avoir un passage. Ouais, je l'ai trouvé, l'animal. Est-ce que c'est vraiment le même écran à chaque fois là? C'est encore trop tôt? J'ai peut-être oublié de parler à un personnage. C'est quoi ces trucs? Non, c'était pas ça, si. Est-il allé quelque part? Je me fais un peu de soucis. Oui, allons-y. D'accord. Où donc est parti mon petit Kent? Il n'est pas à la maison. Il va sans doute falloir attendre demain. Ah, c'est peut-être là qu'il faut... Redormir? Je suis fatigué, on le fera plus tard. Ouais, en fait, j'ai fait un dodo trop tôt, je crois. Ah non, Kent. Kent n'est pas rentré hier soir. Ça ne lui ressemble pas de faire une fugue. Ce jeune. Ouais, on le fera plus tard, ne pas sortir de son contexte. C'est juste un bruit qui court, mais... Un bruit qui court? Kent n'arrêtait pas de parler de dragons, et quelqu'un lui a dit qu'on en avait vu sur la montagne Rakutei. Montagne Rakutei? Mais cette région est remplie de monstres puissants. Pourquoi voudrait-il? C'est ma faute, je lui ai parlé de Black et promis de l'emmener dans les airs. Et maintenant, il est en difficulté. Allons-y. Hein? Ne voulez-vous pas le sauver? Si, bien sûr. Qui êtes-vous? C'est Monsieur Ryu, le nouvel ami de Monsieur Humphrey. Humphrey a des amis? Merci de votre aide, Lord Ryu. Nous ferions mieux de nous dépêcher. La montagne de Rakutei
est au nord de cette ville. Ne vous perdez pas. T'inquiète, Kekette. Alors, on va virer Bashiro, tant pis. Et on va virer... Là, c'est plus compliqué. Humphrey, il est court. L'autre aussi, je crois. Allez, hop, ce sera Shin pour le moment. Ah bah non, il est en médium. Mais c'est pas grave. Oh putain. C'est un sac à point de vue, lui. Putain, l'armure qui est là, salopard. Je peux même pas le dépouiller. Pas encore. Allez, on y retourne. Rakutei. Lord Ryu, soyez prudent. Les monstres rôdent partout. Tenez bon, Kent. Nous venons vous sauver. Ce brouillard. Que se passe-t-il? On ne va jamais y arriver. Si on ne se dépêche pas, Kent. Qu'est-ce que c'est? Une barrière magique? Que devons-nous faire? Black, aide-moi, Black. Et ben voilà. Le brouillard se dissipe. C'est vous qui avez fait ça, Seigneur Ryu? Le pouvoir de la rune. Allons-y. Le pouvoir du rune. Bon, j'ai sauvegardé il y a pas trop longtemps. Bonne nuit, Nana. C'est pas mal, ça. Je dirais même que ça me plaît bien. C'était rapide et efficace. Alors, ça fait quoi? Je sais plus. C'est chiant quand on voit pas les stats comme ça. Là, il y a de la magie def, donc je vais essayer de la garder. Bah, ça va être pour lui. Ah merde, j'ai ces trucs là aussi. Putain, j'ai trop d'objets sur moi, le con. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas grave, je vais virer des remèdes s'il faut. Et les bottes.
Des pixies. Oh, putain. Oh là, comment elles font mal. Je m'y attendais carrément pas en fait. J'avais pas fait attention. Je l'ai utilisé qu'une fois, je crois, ou deux. Mais ce serait pas un petit Kyubi, ça? Alors, on va libérer un peu de place à nouveau. Bientôt. Bonsoir Yuno, comment ça va? Allez, toi, l'histoire avance bien, carrément, carrément, carrément. Je sais pas trop où j'en suis de l'histoire, mais au niveau des personnages, j'en ai recruté un petit peu plus de la moitié, là. Donc, bah, je pense que j'ai fait à peu près la moitié de l'histoire. Allez, hop, pour libérer une place... Putain, je sais plus ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Si, c'était ça. Évidemment, je me remange un combat. C'est pas grave. Ça fera des sous. Oh, une fée, tu l'as. Ouais, c'est carrément un Kyubi, hein. C'est stylé. Oula, ça ressemble à la suite quand même par là. Ça c'est pour toute une colonne. Ah, j'ai pas essayé Vipère. Mort subite, touche une fois sur trois, c'est ça? Je vais essayer, tiens. Dans certains jeux, les fées sont des saloperies, ouais. Dans Persona. Et dans Shin Megami, du coup. Ouais, ça ressemble à la suite. Du coup, je vais à gauche avant. Ça, c'est bien quand il tape Humphrey, il a tellement de défense qu'il prend que dalle.
Ah non, c'est par là la suite, je pense. Oh putain, j'en sais rien. Bon, c'est sûr que c'est par là la suite, vu le chemin que ça fait. Amulette tonnerre. Ah oui, d'accord. Toucher plus 15. Mais tu m'étonnes que je vais virer ça. Parfait. Quoi d'autre? Ça, c'est du plus 9. On peut peut-être s'attendre à un petit boss à la fin de ce donjon. J'espère. Une pierre de puissance. Elle est sûrement... Voilà. Oh là là, il y a plein de chemins encore. Plan unicorne, c'est quoi ça? Et merde, je suis full. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un passage en haut à gauche et ici. Ça doit être la suite. Je suis un peu largué là. Hein. Ça doit être une arme, je sais pas. Oh non.
Elle résiste un peu trop à la magie, ces pixies. Fudge, il a un pantalon cette fois-ci. Plus viril, c'est bien. C'est depuis qu'il a perdu Black. Il en a gros. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, hop. Oh putain, ça me rend fou cette carte là. Il y a trop de chemin. Bagabilité, ok. Qu'est-ce que ça fait? Tech plus 20. Ça fait quoi la tech? C'est pour l'esquive et tout ça? On sait rien. Je vais le mettre, on verra bien. Rends le personnage, s'il te plaît, là. C'est scandaleux. T'en es où actuellement? J'en suis à la quête du dragon là. Et je viens d'arriver. Comment ça s'appelle? Dans la zone où il y avait l'armée qui m'a lâché, tu sais, en plein combat. Ouais, c'est ça, l'armée de Mathilda. Pas de conneries, me semble. Alors là, il y a un passage en haut, mais je pense que je vais pas le prendre tout de suite. Putain, mais ça fait deux fois qu'il m'emmène me frais là. Laissez-le. Ouais. Leave him free alone. Donc un passage en haut, mais là il y en avait un autre. Ici. Où je peux pas aller. Les pixies, je vais éviter là. Je veux conserver des sorts parce que s'il n'y a pas de... Enfin, s'il y a un boss à la fin, ça va être chaud pour mes fesses. Et un coffre ici, très bien. Ouais, ceux-là, on peut se les faire. Pas s'ils font mal en fait parce que tout à l'heure je les ai tués direct grâce à ça et je pense que je vais réitérer. En fait, j'ai pas envie de savoir s'ils font mal. Remède. Je suis de nouveau full. Je vais virer ça.
toute façon, c'est pas les 1000 ou 2000 balles qui vont me donner, qui vont me sauver, hein. Tu fais un combat et tu peux t'en acheter des grands. Hein. C'est pas souvent que j'ai eu des sous dans un coffre. Ah, ça se rejoint, ok. Donc il y a un passage à droite, ça c'est sûr. Et il y a un passage par ici. Ok, très bien. Plan dragon. D'accord, là on est en train de récupérer des trucs, alors je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui me reste comme chemin? Celui de droite, je crois, c'est tout. Et peut-être... non. Ouais, celui-là, je me l'ai fait. Alors, c'est là où je sais plus où je dois aller. Bah, par là, je pense. On peut vite se perdre dans ce genre de zone. Ça fait 2 semaines que je tousse, alors que je suis plus malade. J'arrive pas à m'en débarrasser, ça me fatigue. Ah. Ça annonce un petit boss, je crois. Hein. Kent, voilà Kent, là-bas. Attendez. Ça ressemble pas tellement à un dragon. On n'est pas venu pour ça. On va commencer tout de suite avec une attaque à l'unisson. Comment sont mes points de vie? Pas mal. Putain, je vais pouvoir tester ça là. Et évidemment, une mise en pièce. Tiens, il peut en faire 3 maintenant. Je crois que j'en avais 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Fais des siestes? Mais je fais que ça, Mona, tu le sais bien. C'est ma grande passion.
C'était pas mal ça, 400 à calque. Oula. Ah quand même. Ouais, gare, elle est partie. Pour une fois, il y avait une paire de boobs. Ah, t'es moqueur, Florentin. Alors, on va faire un swing. Je vais faire celui-là, on va assurer nos arrières. Du coup, l'éclair, c'était pas trop mal. On lui enverra la rediff. C'est le pervers de la communauté, t'as tout compris. Il y en a toujours un, tu sais. Oh nice. 4 en fou furieux. Ça marche sur les magies? Je suis pas sûr, hein. Ah non, putain. Ah, c'est bon. Je croyais qu'elle allait l'emmener. C'est bien, elle m'a fait deux attaques qui sont pas trop dévastatrices. Donc je vais pouvoir enchaîner sans soigner. Ça a des points de vie ce truc quand même, hein. Ça t'a réveillé, hein. Ah, quand est-ce qu'on a un pouvoir de la rune totalement démoniaque? Bon, ça marchera pas, mais j'ai envie d'essayer pour le principe. A pu. A pu du tout. Pas mal les deux coups à 200 là. D'ailleurs, je vais pas faire une attaque à l'unisson parce que là elle est en. Comment dire, elle est enragée. Donc ça n'a pas marché évidemment. Ah ouais, j'ai plus rien du tout en fait. Comment ça se fait que je peux pas faire monde vide alors que je l'ai pas utilisé? Ça c'est fait. Oh joli. Vous êtes venu me sauver, Fudge? Il n'y a pas de dragon ici. La rumeur était fausse. Tu aurais dû le savoir, Kent. Mais s'il y en avait eu, et si j'avais un ami chevalier de dragon, je pourrais être fier.
C'est pour cela que... Et je l'ai entendu, le cri du dragon dont tout le monde parle, c'est vrai. C'était juste au-dessus, c'est pourquoi j'ai couru. Puis je suis tombé et je me suis tordu la jambe. Mais ça va maintenant, là, vous voyez. Comment êtes-vous arrivé ici? Regardez, c'est l'écaille de Black, le charme. Fudge me l'avait donné. Quand j'ai prié ici, le brouillard s'est levé. Il doit donc y avoir un dragon ici. L'écaille de Black, c'est pour ça que... Mais ce qui importe, c'est que vous soyez sains et saufs. Rentrons. Fudge, j'ai entendu le cri du dragon. Hier soir, il y a eu un bruit d'ailes terrifiant, puis un cri à fendre les pierres. C'était juste au-dessus. Il y a peut-être un dragon juste là. Allons voir. Il n'est pas possible qu'il y ait un dragon par ici. Et même si on avait un... Mais si on avait un... Même si on avait un... Allons voir. Lord Ryu, voulez-vous bien rester un petit peu plus avec nous? Il n'y a pas de dragon ici. Allons, dépêchez-vous, Fudge. Pourquoi il veut pas aller voir? Il a abandonné Black. Ah, c'est un œuf. C'est... J'avais raison. C'est un yuf. C'est un œuf. Un œuf de dragon. Ça ne peut être autre chose. Les dragons ne pondent pas leurs œufs. Ne pondent leurs œufs que dans les cavernes de dragons. Alors qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'autre œuf ayant cette forme. Avec ça, vous pouvez redevenir chevalier de dragon. Un œuf de dragon. Le capitaine Josué des... Josué? Des chevaliers du dragon me l'a dit un jour. Bien que les dragons ne pondent leurs œufs que dans les cavernes de dragons, il apparaît parfois un dragon sauvage. Si nous savions pourquoi, nous pourrions probablement élever d'autres types de dragons. J'allais vers le grand sanctuaire dans la vallée de Cristal pour essayer d'en savoir plus, mais... Mais je ne m'attendais pas à en trouver dans un endroit pareil. Vite, venez ici, Fudge. Mais... Regardez, Fudge, c'est un nouveau dragon. Non. Je n'ai pas besoin d'un dragon. Humphrey, le capitaine Josué, ils ont tous été si gentils avec moi. Tout le monde se préoccupait de moi et espérait que je trouverais un autre dragon. C'est pourquoi je n'ai pu leur dire la vérité. Je ne veux monter aucun autre dragon que Black. Il est le seul pour moi. Ouais, c'était Joshua. Josué, ça me disait rien. Alors je suppose que vous n'avez pas besoin de cet œuf, ni de la bête à l'intérieur. Je vais le détruire avec mon épée. Quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Mais pourquoi avez-vous fait ça? Les dragons... Oups. ...sont des créatures faibles. Sans mère ni chevalier pour s'occuper d'eux, ils faiblissent et meurent. Et s'ils vivent, mais sans maître, ce ne sont que des monstres qui terrorisent les humains. C'est pour ça que vous devez vous en occuper, Fudge. Arrêtez-le! Arrêtez-le, Fudge! Arrêtez-le, vous, monsieur. C'est un œuf de dragon, après tout le mal qu'on s'est donné. Attendez, monsieur Humphrey. Ah non, il fait pas un cri d'éléphant. C'est un dragon, il est si petit. Fudge. Je n'avais jamais vu de dragon si petit, et je n'ai jamais entendu parler d'un dragon blanc. Mais c'est toujours un dragon, non? Oui, forcément. Ne croyez-vous pas, Fudge? Mais je n'ai pas besoin... Alors pourquoi m'arrêter, Fudge? Ce ne serait pas une trahison d'avoir un nouveau dragon. Les souvenirs de Black sont précieux, mais je dois oublier. Ce n'est pas une raison pour fermer la porte à l'avenir. Fudge. Il n'y a pas à avoir peur. Venez ici. Viens ici.
Je te baptise Bright. Ça a du sens. C'est ça, ils ont un cri d'éléphant à l'âge adulte. Merci Seigneur Ryu. Je voudrais vous remercier. Si nous pouvons vous aider un jour, dites-le nous. Voulez-vous combattre avec nous? Bien sûr, pour vous, je vais ressortir cette épée. Moi, Fudge, ancien chevalier du dragon du 9e rang, je combattrai à vos côtés. Et d'autres plus? Luttez avec vaillance, Fudge. Ne vous en faites pas pour moi, Kent. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, je serai à nouveau chevalier du dragon. Vraiment? N'oubliez pas votre promesse. Je ne l'oublierai pas. Bon. D'accord, j'ai failli oublier. Tenez, l'écaille de Black, je vous la rends. Gardez-la, Kent, comme preuve de ma promesse. Vraiment? Je peux vraiment? Oh, je vais la garder précieusement, et j'attends que vous reveniez avec votre dragon. D'accord, je jure que je reviendrai comme chevalier du dragon. Partons. Oui. Allez-y doucement, Kent. Au revoir, Fudge. Portez-vous bien. Ça nous fait donc deux persos de plus. Et pas des moindres. Parfait tout ça. Très bien. Mesdames et messieurs, j'avais pas prévu de faire un gros live ce soir, tout simplement parce qu'à mon avis, je vais retourner en arrière pour peut-être récupérer l'écureuil volant, et de toute façon, je suis éclaté. Donc on va s'arrêter là, et on poursuivra demain, 20h comme d'habitude, avec un plus gros live cette fois-ci, évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. On se dit à demain pour ceux qui seront là, bientôt pour les autres. Ciao, bye bye.